a gagné plutôt son dernier match face à l'US Biskra 1-0, tandis que le Wat Lemsen a battu l'OM. Attention, attention dans la surface de réparation et c'est le premier but pour le Wat Lemsen. Un but inscrit par Smehi à la 10e minute de jeu. Je dirais tout simplement c'est contre le courant du jeu parce que durant les 10 premières minutes, c'était plutôt l'USM Belabès qui avait la possession du ballon. Mais sur un contre rapide, une balle sur le côté droit. Qui récupère, qui essaye de dribbler, qui perd le ballon. Changement sur le côté gauche. Attention, dans les pieds de qui? Dans les pieds de Touil. Touil qui essaye de trouver un coéquipier démarqué. Il revient vers Bembelaïd. Bembelaïd qui trouve Smehi. Smehi qui trempe encore une fois Zaharat. Zaharat qui s'attendait à ce que Smehi centre sur son attaquant, mais Smehi en renard des surfaces intelligemment trempe Zaharat et envoie directement la balle. Qui a récupéré le ballon, il effectue un joli centre, la balle est très très mal interceptée par l'attaque. Ouais, c'est le but, un but vraiment inattendu, une balle perdue à l'entrée de la surface de réparation. C'est ce qu'on était en train de dire. C'est ce que Mouaki, c'est ce que plutôt Soufi disait à ses défenseurs à son milieu de terrain. Et voilà que le Tlemcenien Zarmen, auteur d'une partie très honnête quand même, il a beaucoup bougé sur le flanc de l'attaque. Attention, 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 attention. Et c'est le troisième but du Wat Tlemcen au moment où on s'attendait le moins. C'est Will, l'attaquant Will, qui vient d'aggraver la marque. Belle réaction des Tlemceniens. Ça se passe exactement comme ça s'est passé en première période. C'est les Belabassiens qui dominaient. Et finalement, c'est les Tlemceniens en excellente position. Voilà, une belle... C'est exactement, ça ressemble au premier but. Le premier but, cette fois-ci, c'est Mesoudi qui avait servi sur Amiri de la tête qui a dévié...